Alors, que doit-on à l'État Que doit-on à l'État? Mais quelle est la question exactement? Oh, ça m'inspire pas du tout. Alors là, moi et la philo, ça fait deux. Hein. D'abord, j'aurais pris une demi-heure pour réfléchir au sujet, parce que là, vraiment, d'un coup, c'est pas évident de répondre. Il y a peut-être une thèse et une antithèse à faire. D'abord, ce que l'on doit à l'État et peut-être ce que l'État nous doit. Qu'est-ce que je dois à l'État? Qu'est-ce que l'État doit, me doit, plutôt? Parce qu'aujourd'hui, il y a le chômage, tout ça, je pense que je paye assez d'impôts. Les rétributions, je les attends toujours. Je pense qu'on on lui doit pas grand-chose, non, c'est trop extrême. Je dis pas trop. Que doit-on à l'État? Ah bah non, mais là, je vais pas vous répondre, parce que c'est vrai que c'est plus politique qu'autre chose comme sujet. Donc voilà, donc si c'est thèse, antithèse, synthèse, je pense qu'il faut vraiment rester sur les grandes bases de ce que doit l'État, qu'est-ce qu'est l'État, et à ce moment-là, donc qu'est-ce qu'on peut lui devoir, et comment on positionne l'État dans le voilà, dans la vie actuelle. Que doit-on à l'État? Mais en fait, je saisis pas bien la question, je suis désolée, hein, mais j'aurais raté mon bac cette année. C'est dommage.